Horoscope Taureau du 21 septembre 2023. Bonjour, voici l'horoscope du jour. Horoscope Amour. Vénus proposera à de nombreux solitaires une journée très prometteuse. Cela pourra se traduire par un coup de cœur imprévu. De son côté, Jupiter vous vaudra une belle joie de vivre qui affectera favorablement votre vie amoureuse. Avec cet aspect de la Lune, un engagement conjugal vous semblera une prison ou, à tout le moins, une chaîne. Vous connaîtrez la tentation de mener de front deux existences, une stable, monogame, et une autre où vous laisserez la porte ouverte aux occasions qui se présenteront. Horoscope Arshan. Malgré vos terribles envies actuelles de dépenses, dont quelques-unes sont d'ailleurs parfaitement légitimes, songez à faire des économies. Cela est plus facile à dire qu'à exécuter, bien entendu. Gardez malgré tout un œil vigilant sur votre compte en banque. Si vous commettez des imprudences aujourd'hui, les conséquences en seront extrêmement graves et votre avenir immédiat ne sera plus qu'un cauchemar. Horoscope santé. Avec Mars dans votre manche, vous vous sentirez en pleine forme, physiquement et psychiquement. Cela vous permettra d'aborder de façon positive et efficace certains problèmes difficiles qui vous accablent en ce moment. Horoscope travail. Du concret, du solide, voilà ce dont vous aurez besoin aujourd'hui. Tâchez d'éviter les projets fumeux. Ce serait une erreur fatale d'essayer de faire table rase de quoi que ce soit aujourd'hui. Horoscope famille. Votre conception des loisirs se résumera cette fois à une chose. Tout pour la famille. Il est vrai qu'après les heures et les problèmes rencontrés dernièrement, vous serez trop content de pouvoir profiter en toute sérénité de grands moments de détente auprès des êtres que vous aimez. Horoscope vie sociale. Le sang-froid, l'aptitude à se contrôler dans les situations les plus éprouvantes pour les nerfs ne seront pas votre point fort cette fois-ci. Vous aurez même tendance à monter sur vos grands chevaux pour un oui ou pour un non, surtout avec les paresseux et les incompétents. Attention donc,